Mon coup de cœur du jour est un roman policier psychologique, « Ce que tu as fait de moi » de Karine Gibel aux éditions Belfond. Dans ce roman, où la dimension psychologique est omniprésente, Karine Gibel nous entraîne au cœur d'un coup de foudre passionnel. L'amour, la haine, la perversité, la manipulation, la jalousie s'entremêlent et s'enchaînent tour à tour et enferment progressivement deux agents de police dans la dépendance, la folie, la passion, dans ce qu'elle a de plus destructrice et de mortel. C'est donc l'histoire de Richard, commandant de la brigade des stupes, et de Laetitia, jeune stagiaire qui vient d'arriver au sein de l'équipe. Ils vont raconter chacun leur version des faits, chacun leur vérité. Je vais vous lire le début du chapitre 2. Je me souviens parfaitement du jour où elle a franchi la porte de mon bureau. Un instant qui ne s'effacera pas de ma mémoire, c'est certain. C'était un mardi matin, c'était le 22 août. Il y a des secondes cruciales, capables de changer le cours d'une existence. Le silence, d'abord. Celui qui précède la catastrophe et annonce le cauchemar. Le silence, la stupeur, juste avant le déferlement, que rien ne peut stopper. La vague qui emporte tout sur son passage. Un tsunami. Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Incapable de dire pourquoi j'ai plongé, sans parvenir à me raccrocher à quoi que ce soit. Si seulement j'avais plongé seul. Comme vous l'avez compris, c'est un roman noir qui va vous nouer l'estomac et générer une tension palpable tout au long du livre qui vous empêchera tout simplement de lâcher ce livre tant que la dernière page n'est pas tournée. Attention, vous êtes prévenus.